Sœur, est-ce que la visiteur va s'envoyer? On croise les doigts. J'arrive, sœur! Zut, zut, zut! Bon, c'est pas grave, je ferai ça pendant la séance. Bonsoir tout le monde! Bonsoir, bonsoir! Coucou Youv! Oui, ça fait longtemps, ouais, effectivement. Ça fait longtemps, enfin. Après, des fois, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas vu certains pseudos. Et en fait, vous me dites, mais si, mais j'étais là hier, je suis là, oh merde. Mais peut-être, en tout cas, bien, enfin, bon retour. Bonjour à tous! Ça va bien ou bien? Bah écoute, vu que tu me laisses le choix, ça va bien. Ça va très bien. Un peu la journée de la galère, je ne vous cache pas. Et là, ça continue un petit peu. Mais je suis contente d'être avec vous, donc ça va, ça rattrape. Heureusement, heureusement qu'il y a les miettes, hein, parce que sinon, bon... Bon, tu veux bien... m'aider? Oh là là, ça m'embête. Non, c'est pas grave. Depuis hier, oui, ça fait longtemps, oui, c'est vrai. L'angle de la caméra a encore changé. Ah, oh, ben je sais pas. Oui, non, mais parce que j'arrête pas de la toucher aussi. Oh là là, si vous saviez. Coucou Aurel. Ça va, merci beaucoup. Il y a la vidéo YouTube qui est sortie. Allez la voir. Bon, pas tout de suite. Mais allez la voir après, parce que. Ça a été très galère de la sortir. J'ai cru que j'allais pas y arriver. Mais elle est sortie, donc je suis contente. L'angle est très bien. Bon bah je vais essayer de pas y toucher. Alors si petit à l'œil me dit que c'est bien, alors je ne touche pas. Genre là c'est parfait. Est-ce que la musique te convient aussi, toi qui es notre DJ? C'est vrai qu'il y a de l'orage ce soir. Perfectus. Ok d'accord. C'est vrai qu'il y a de l'orage je crois ce soir. Même chez moi. Je crois que ça va péter. Ça va péter à 22h. Oh, dommage. Ça pète assez tard. Bon, en même temps, tant mieux si ça pète pas pendant que je suis dehors en train de sortir Merlin. C'est plutôt cool. On entend pas beaucoup la musique? Bon, elle est pas magnifique, magnifique. Hein. Ça marche, Aurel. Passe une bonne soirée. Quelle musique. Ouais, non, mais vous l'entendez pas trop. J'avais pas quoi mettre ce soir. J'ai mis du rock. Qui la véritable Christelle? Quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ce sondage de merde? Genre, vous hésitez entre ça et ça? Bah bien sûr que c'est elle. Coucou Marius. La musique est sympathus, mais... Oh mon dieu. Mon dieu, petit Aloy n'apprécie pas la musique. Mon dieu, qu'est-ce que je veux faire? La musique, tu l'entends pas? Mais en fait, c'est que des fois, j'y réécoute des replays. Alors, pas pour mon plaisir personnel, hein, juste parce que j'essaie d'après d'en faire des vidéos ou autre. Et à chaque fois, j'ai l'impression que la musique est beaucoup trop forte. Genre, on m'entend pas. Ou alors, ma voix, on dirait qu'elle fait concurrence à la musique. Et maintenant, du coup, j'ai trop peur que ce soit trop fort. Et j'ai pas encore la technique, là, de mettre dans les écouteurs pour avoir mon retour ou je sais pas quoi. Enfin, bon, moi, je fais pas ça. Elle est bizarre. Ah, d'accord, ok. Ok, attends. Attends, Pierre, c'est peut-être que tu n'aimes pas le hard rock. Ça, c'est la playlist hard rock. C'est peut-être ça le problème. Peut-être qu'il te faut autre chose. De la pop. De la pop des années 80. Peut-être que c'est mieux. Coucou, Onem. Coucou, Sully. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Le volume est parfait? Ok, d'accord. C'est difficile de se rendre compte vu que j'ai pas le retour, vu que je n'ai pas la technique. La technique de streamer professionnel, sans doute. Mais en tout cas, elle est encore inaccessible pour moi, malheureusement. Je ne comprends pas les réglages que je peux faire sur mon PC pour avoir le retour dans mes oreilles. Enfin, ce n'est pas logique pour moi. Mais bon, c'est évident pour les autres, alors j'imagine que ça doit être simple. Mais bon. Coucou caractère de pêche, coucou Rosemary, coucou à tous, rassemblez-vous les miettes. Christelle Pixel est plus réelle que moi? Ok. Faut vraiment que je l'attache avec des ficelles dans ce cas.
Genre comme ça. Mais après, je sais pas comment je vais faire pour écrire. Ça va être compliqué. Quand même, je remarque qu'il y en a 5 qui sont indécis. Genre, ils ont voté la réponse D. La réponse D, c'est quand vous connaissez pas la réponse. Donc il y en a, ils sont perdus déjà à ce niveau-là. Tu vois, donc, non mais alors ça prouve, tu sais, ça montre les miettes, tu vois, dans toute leur splendeur, dans toute leur magnificence de mie de pain. C'est-à-dire que déjà, t'en as 5, ils savent pas ce qu'ils foutent là. Ils savent pas ce qu'ils font là, et qu'est-ce qui se passe. Ils savent pas qui je suis, ils sont là, mais... c'est qui la dame. Christelle Tadmore avait un charme de fou. J'en suis parfaitement consciente, pour ça que je l'ai remplacée sur la fresque. Je le sais. Je le sais. Et tu sais, il y en a certains, ils veulent devenir des Barbies. Tu vois... Par contre, ça va vraiment me saouler. T'en as qui veulent devenir des Barbies, devenir des Bratz ou ce genre de choses. Moi, je veux devenir un Christelle Tadmore. Parce que je sais que j'ai plus de chance en ressemblant à ça. Coucou escargot. Va briser des cœurs. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ah putain, le coup de griffe. Ah la vache. Quel. Je vais pas le dire. Mais bon. Les Barbies, c'est les trucs qu'ont les poissons. Comment ça? Ça te motive la musique? Ok. Bon bah je laisse alors. Moi je la trouve bizarre, mais si tu la trouves cool alors, parce que ça me va. Si au moins une personne la trouve cool dans le chat, c'est bon, je laisse. Elle amuse petit Aloy, donc c'est génial. C'est génial. La musique parfaite. Par contre ça va m'énerver ça, ce problème de newsletter là. Oh non 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 non. Merlin, bien sûr, s'est fait remarquer. Merlin, viens présenter tes excuses. T'es où? Ouais, viens présenter tes excuses. On y est. Oh là, t'es lourd. Qu'est-ce que t'es lourd. Il est tout content. Voilà, il vient pour présenter ses excuses. Désolé d'avoir aboyé. Je me ferai pardonner. Hein? Pas grave. Le pauvre. Oh là. Putain, qu'est-ce qu'il est lourd. T'as, toi qu'on va aller voir la veto au mois d'août et qu'elle va te peser, je peux te dire que tu vas être content. Ah, je peux te dire que là... Là, la veto, elle va te dire, jeune homme, qu'est-ce que vous avez fait.